Cette année, j'ai entendu quelque chose d'étrange à la radio. C'était le président du conseil du patronat qui se prononçait sur les régions, et en particulier la Gaspésie. Il a dit comme ça, de façon assez désinvolte, il a dit, pour régler le problème économique de la Gaspésie, c'est simple, on devrait fermer le village. Hey, dans la demi-heure qui a suivi, tous les maires de la Gaspésie se sont soulevés, indignés. Fait que le lendemain, il s'est excusé. Et moi, je me suis dit, cette phrase-là, il l'a dit. Fait qu'on suppose qu'il a pensé. Fait que c'est une façon de voir le Québec comme, je parle des régions du Québec, comme un gros réservoir de ressources. Et une fois que c'est terminé, on s'en va de là. Et là où il y a une pièce à faire, l'appartenance au territoire n'a pas lieu d'être. Et comme le dit David Coudreau, c'est qui le Québec? C'est elle, lui, toi, moi. C'est ceux qui les habitent et les animent, les fameuses régions. C'est ceux qui ne refusent de se laisser utiliser et jeter. Le Québec, c'est pas juste une capitale. Le Québec, c'est pas juste des capitaux, c'est pas juste une métropole. Le Québec, c'est des montagnes, des ruisseaux, une manière d'être. C'est 8 millions de personnes qui parlent français. On te laisse un blues, une caisse de douze, comme un cul-de-sac au bout du rang. Un chien qui jappe sur le divan, quand ailleurs c'est plus meilleur. Tu verras rien de ton balcon. On va tout vendre. On va tout vendre. Dans le canon, on va tout vendre. Tu veux garder ton désespoir. La petite lumière, la patinoire. Garder ton goût de la poésie. Tes yeux remplis d'immensité. Tu veux garder ta naïveté. Et puis ton urgence. On s'en balance. Dans le canon, on va tout vendre. On peut aller encore plus loin. Thank you.